Jérémy Laura, vous allez présenter Santi Delmar dans le Quintet lundi à Fontainebleau. Le cheval revient en bonne forme. Oui, ouais, il fait une très bonne rentrée. On ne pensait pas qu'il allait être aussi bien. Puis finalement, on gagne. Voilà, on était très contents. Il a une super forme. Voilà. Il avait bien fait l'été dernier, notamment au niveau Quintet, puis après ça s'était moins bien passé pour lui, hein. Oui. Ben, on avait un problème à Fontainebleau lors du dernier Quintet. Dans la sortie des boîtes, il a trébuché. Il s'était fait mal un peu au pied. Bon, il a traîné un peu ça en fin d'année. C'est pour ça qu'après, on a mis un peu de repos. D'accord. Ça lui avait bien servi pour Dieppe, où on est second, donc du coup on a décidé de faire pareil, mettre du repos. D'accord. Et du coup, il avait bien performé l'été dernier en 36. Bon, là, il a eu 2 kilos de pénalité suite à sa victoire de Fontainebleau, mais il est encore en 36, quoi. Oui, bon après 2 kilos, oui en plus. Bon après c'est vrai que sur des distances courtes comme ça peut-être ça se voit un peu moins, après bon. Après, on espère que ça va pas trop le pénaliser, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, donc, et au niveau du terrain, vous souhaitez quelque chose de particulier ou... On espère que ce sera bon terrain. Hein. Puis ça, de toute façon, il fait un peu tout, donc il n'y a pas de, on n'a pas de D'accord. gêne particulière. Hein. Donc là, vous demandez quand même à voir avec les 2 kilos, autrement. Ou, Oui, après, bon, après la dernière fois, le lot, ouais, à Fontainebleau, était pas si mal. Là, c'est quand même plus homogène. Il y a vraiment beaucoup de bons chevaux. Et voilà, le problème c'est que ouais, le problème c'est pas un problème, hein, c'est que sur ces distances-là, la moindre petite erreur, ben, gagne la course. Donc voilà, on espère une course voilà, normale, régulière, sans erreur. Et puis Et voilà, après il sera associé avec Anthony Crastus cette fois-ci. Donc voilà, un bon jockey aussi. Voilà, on espère une place.